Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est absolument pas une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Comme vous avez pu le voir dans la miniature et le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous parle un petit peu d'Ophius. Ça change de ce que je fais habituellement car ma chaîne est dédiée à Yu-Gi-Oh! De base. Mais vu que je ne fais pas que ça et je n'aime pas que ça dans la vraie vie, je me dis que c'était un petit peu bête de ne pas vous partager les autres choses que j'aimerais bien partager avec vous. C'est une vidéo test, on verra bien ce qu'il en est, si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous jouez à Yu-Gi-Oh! Ou si vous aussi vous jouez à Dofus. Si vous regardez ma chaîne, c'est que normalement vous jouez à Yu-Gi-Oh! Mais c'est moins sûr que vous jouez à Dofus, donc n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, du coup, je vous présente un petit peu mon Enutrof, donc c'est un personnage que j'ai créé pour le fun, je rejoue plutôt avec ma copine et ses deux frères. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait refaire des petits personnages sympas tranquillement. J'ai énormément joué à Dofus quand j'étais gamin, 6ème, 5ème. J'étais carrément accro à ce jeu là, ça a détruit une partie de ma scolarité. Mais voilà, j'ai joué à très haut niveau également. J'avais une team de 100, je vous en mets une photo. J'ai encore un personnage, un Kra level 200 qui était anciennement sur Elzéphine, qui a été transféré sur je crois. J'ai repris Dofus il n'y a pas très longtemps, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas encore sur la nouvelle version de Dofus 2.50. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup joué à ce jeu là, je connais très très bien le jeu. Et aujourd'hui j'ai un peu repris et je me suis fait surprendre par un Enutrof que j'ai monté level 60 tout en jouant cool. En fait le délire c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait des personnes parmi nous dans le groupe de 4 qui avancent plus vite que les autres, donc on s'est dit qu'on ne pouvait jouer que ensemble. On ne peut pas XP autre que si on n'est pas ensemble. Donc ça XP doucement, mais en même temps c'est cool, c'est fun, ça nous permet de faire des donjons, etc. Et voilà, ça change un petit peu la donne de tout ça. Ce petit Enutrof, je vais vous présenter un petit peu ses caractéristiques et ses stuffs. C'est un Enutrof qui est du coup niveau 63. Alors j'ai mis 60 sur la miniature parce que tous les stuffs sont niveau 60. Il est 63 parce qu'au moment où je fais la vidéo, j'ai un petit peu XP encore depuis le moment où j'avais prévu de faire la vidéo. Mais voilà, c'est un Enutrof qui a du coup 2016 de vita, c'est assez énorme pour un niveau 60. Et vous allez voir que finalement c'est même pas tellement ouf que ça, je pense que c'est possible de faire plus. Je me rappelle simplement à l'époque quand on était level 110, 120, 130, avoir 2000 de vita c'était ouf. Et du coup là le fait de l'avoir à level 60, je me dis que Dofus a bien évolué quand même. J'ai donc 1651 de chance, j'ai 682 de chance, donc 203 de base, 100 de pare-chaud et 379 d'équipement et j'ai 204 de sagesse. Au niveau des stats, j'ai 9 PA, 2 PM et j'ai 2 PO, ça me permet de taper assez loin, je crois à 0 à 14 avec lancer de pièces. Après niveau puissance et niveau critique, j'ai 10 et 13. Encore une fois, le personnage n'est pas optimisé de ouf. J'ai juste pris des stuff qui me paraissaient meilleurs que les autres, mais j'ai pas pris les meilleurs jets de l'HDV et je me suis pas embêté à aller FM les objets qui me semblaient pas parfaitement parfaits, quoi, tout simplement. J'ai un petit peu de retrait, 20, sachant que j'ai des sorts qui peuvent m'en donner un petit peu plus. 187 de PP, ça c'est cool. Deux invocations, c'est cool pour le Enutrof, PL plus sac ou chaffeur en fonction de la situation, ça peut être sympa. Puis j'ai 861 d'initiative, ça c'est plutôt cool. 4 dommages critiques et 9 dommages hauts, ça c'est pareil, j'ai pas trop opti le stuff, l'idée c'était vraiment juste de se trouver du stuff sympa sans prendre le meilleur stuff des HDV. Au niveau des équipements, c'est la panoplie Blob Indigo, donc en fait encore une fois on voit bien que c'est pas les meilleurs jets parce qu'il manque des trucs, mais voilà, le 129 vita c'est toujours cool, le 125 vita 20 chances 1 PO c'est plutôt cool aussi, 140 vita 31 chances 9 sagesse 3 dommages hauts et 191 pod. C'est plutôt cool, c'est encore une fois, c'est pas les meilleurs jets qui existent parce que j'ai vu des blobtures ou des anneaux, etc. FM à 200 vita, donc je pourrais peut-être avoir 2500 ou peut-être 3000 dans le meilleur des mondes, mais voilà, c'était vraiment pas l'idée. Les bottes, elles sont pas ouf du tout parce que du coup, elles me donnent que 11 chances pardon, et 10 puissance avec une invoque, c'est plutôt cool, mais voilà, c'est pas ouf non plus. Et voilà, ça me permet de bénéficier du bonus de la panneau avec les 50 chances, 50 vita, les raises avec les bonus malus et surtout le PA. Le 9 PA, c'est pas utile du tout à mon niveau tout de suite, ça me permet juste de faire quelques petits sorts des ralentissements, mais c'est juste en prévention de mon sort qui arrive niveau 69 qui nécessite 5 PA. Ensuite, niveau coiffe cap, j'ai tout simplement, je vais les dissocier juste pour que vous puissiez les voir, la panoplie Caracoiffe, donc j'ai juste pris coiffe cap, j'ai de la chance parce que j'ai des jets de ouf, notamment le 219 vita et le 104 vita, 26 chances, 27 sasa. En fait, je suis arrivé en HDV, je voulais regarder un petit peu ce que je pouvais prendre pour passer en mode 9 PA et je regarde les items pas chers, style à 80 000, et parmi les items qui étaient à 80, 100 vita, je vois celui-là à 219, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et pareil pour celui-là, entre ceux qui étaient à 50-70, je vois celui-là qui était presque G parfait,
plus over niveau vita à 104, donc pareil, j'ai sauté dessus. J'ai les objets d'apparat, de la cape poney, parce que bah, je le trouve plutôt cool. Et puis mon Nenu, il rocks du poney, donc ça lui va très très bien. J'ai un boubou, je suis très fier de ce boubou, parce que c'est un bouclier bûcheron que j'ai FM moi-même. J'ai réussi à le monter à 95 vita, j'en ai monté d'autres, hein, à 80, 82, 75, etc. Mais celui-là à 95, il est vraiment cher cool. J'ai une pelle, pelle Zébut, je ne connaissais pas vraiment ce stuff parce que je n'ai jamais trop joué à bas level sauf il y a très très longtemps. Et du coup, ben voilà, c'est un stuff niveau 55, je cherchais un stuff qui me donnait de la chance. Et du coup, je tombe sur celui-là qui me donne 47 et il donnait à la base 54 vita. Je me suis dit, bon, j'étais à 1970 ou 60, quelque chose comme ça, de vita. Je me suis dit, il faudrait vraiment qu'il me donne 50 de plus. C'était le seul stuff qui n'était pas FM dans mes équipements. Je me suis dit, bon allez, je prends un paquet de rats, je prends le reste au cas où ça saute, et ben, il a juste passé une ravie, c'est passé, 104, nickel, et du coup ça me permet d'avoir plus de 2000 de vita. Au niveau des trophées, ben, examinateur, initiateur mineur, joueur mineur, ravageur au mineur, survivant mineur, et puis le petit Dofus Kawot qui fait plaisir. La DD, c'est juste une indigo qu'ils ont bien boosté depuis les mises à jour, sans chance, 300 vita, et le caméléon, parce que caméléon c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire, donc voilà, il ressemble à ça, je le trouve plutôt sympa, plutôt joli, dites-moi ce que vous en pensez. Après voilà, moi j'aime beaucoup l'esthétique des personnages, je trouve ça super important, et je trouve que les objets d'apparat rajoutent beaucoup de cachet à ce jeu. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller taper des mobs vers les Scarfeuils, comme ça on ne sera pas embêté par les différents personnages, et mon jeu ne lagra pas ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les jets sans boost, et après je vous montrerai les jets avec boost. Tac, on va prendre un putsch niveau 50. On va se mettre juste ici. Tac. Donc, le lancer de pièce, je passe entre 96 et 111 sur du 0 de résistance et 123 en coup de critique. C'est pas mal, sachant que je tape encore une fois de 0 à 14. Donc, ça c'est plutôt cool. L'appel du jugement, elle passe entre 151 et 183 et 187, 219 en coup critique. 4 PA. Encore une fois, je tape de 1 à 7, donc j'ai quand même pas mal de PO pour ce personnage-là. Hop, je vais en refaire 2. Tac, je peux vous montrer, voilà, 160-160, c'est pas mal. Et la PL Zébut, du coup, elle passe entre 135 et 286, et entre 259 et 409 si je fais coup critique, sachant que je suis à 43% de coup critique, donc ça veut dire 1 sur 2, pratiquement. Et 329, on va recommencer. Bon, de toute façon, dans tous les cas, et je coup critique encore. Tac, on va prendre le mob qui est un peu plus gros vu qu'on va aller se booster, donc on va forcément taper un petit peu plus fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste commencer par les sorts de base. Tac, donc lancer de pièce du coup passe entre 113 et 132 et 146 en coup critique. Ça c'est plutôt cool, sachant que je suis 1 sur 4 grosso modo, ou 1 sur 5 sur lancer de pièce. On va refaire un petit lancer pour voir. Moi je trouve que ce personnage est super, super intéressant dans le sens où... bah, il peut faire beaucoup de choses, ça sert à tout. Le Nunu, ça fait vraiment le café de fou. Alors du coup, l'appel du jugement passe entre 178 et 216 et 220-257. Donc voilà, ça rocks quand même pas mal. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est mon cac. Hop, on va passer juste l'histoire sur le boost. Petit coup critique sur le boost, en plus, ça va cheater un peu le truc, mais c'est pas grave. Voilà, 600. 600 pour 6 PA, ça veut dire que derrière je peux encore taper, hein. Je peux taper 132, c'est à dire que je passe 723 par tour si je critique. Voilà, si je critique pas par exemple, typiquement, voilà, beaucoup moins. Mais voilà, on va, je vais juste repasser parce que du coup l'essor de boost sur 2 tours, c'est vraiment les boosts qui vont montrer les gros rocks. Mais voilà, c'est quand même pas mal, même sans coup critique, voilà, 400, ça fait 500. Pour un ennemi troc, c'est quand même pas négligeable, même coup critique, enfin voilà, c'est plutôt cool. Voilà, il n'y a pas grand chose à vous montrer de plus, si bah, le soin qui est pas mal, c'est pas ouf, hein. Mais voilà, je peux soigner en fonction, c'est quoi, c'est 10%, 8% des PV max, donc sur un mob qui a 1000, bah, voilà, je lui soin 80, c'est pas mal. Là, lui, pour le coup, il a 5000, donc forcément, on soigne beaucoup, mais voilà, ça fait partie des trucs cool. Les 3 PM, c'est un peu ma faiblesse, mais bon, j'ai accélération qui me permet de faire pas mal de choses. D'ailleurs, est-ce que je peux me détacher si je fais ça?
Donc voilà, je peux me permettre de me barrer assez loin, de faire pas mal de choses. J'espère que ce type de petite vidéo vous plaît. Dites-moi si vous trouvez mon personnage cool ou si vous avez des choses à proposer. Si ce genre de vidéo peut vous plaire ou si ça n'a rien à faire sur ma chaîne, dites-le-moi, je suis à l'écoute. Sur ce, les petits potes, faites de nombreux duels et collection de cartes pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh! Et capturez un maximum d'archimonstres et collectionnez les Dofus pour ceux qui jouent à Dofus. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao !